Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je vous commence le vlog maintenant. On est lundi 5 et il est actuellement 11h, je me sens très faible, j'ai mal à la tête depuis une bonne 4-5 jours je dirais, c'est très désagréable. C'est tout ce côté-là, des fois c'est au niveau des dents, donc je soupçonne que ça soit mes dents, sauf que là, actuellement c'est ici, donc là c'est pas des dents du tout, donc je sais pas ce que ça peut être. Bref, c'est très désagréable. Cela étant dit, je vais aujourd'hui prendre une journée off complète pour me reposer. Je me mets pas de pression, j'aimerais bien quand même faire des trucs, j'aimerais bien filmer du contenu, j'aimerais bien ranger le bureau, j'ai des trucs à faire, mais... tranquille, voilà. Là, j'ai surtout quelque chose à faire d'assez important, c'est qu'il faut que j'aille acheter un antivol pour mon vélo, parce que mon ami a besoin de mon vélo la semaine prochaine, et donc du coup, il faut que je lui amène à la maison, enfin chez elle. Donc ce soir, on va faire la balade de ma chienne, ça va être vélo, et ça va lui faire trop plaisir, je pense qu'elle va kiffer, sauf que ben, il faut que j'aille acheter un antivol parce que mon ami s'est fait voler son vélo il y a de ça 2 semaines, donc il est absolument hors de question que je lui amène un vélo pas attaché dans son local à vélo, n'est-ce pas? Donc on va faire hyper gaffe et je vais aller acheter un antivol et donc je vais en profiter pour aller me balader. Je vous retrouve ce matin. Nous sommes mardi, il est 10h30 et hier soir, petit changement de programme, je suis restée chez mon amie. On a passé une bonne soirée, on a mangé un burger. J'adore ce restaurant à Montpellier, ça s'appelle Gomu. C'est une chaîne de burgers, Bao Burger, c'est délicieux. On a mangé ça et on a passé une petite soirée toute chouette en regardant la télé. Et là, je me prépare pour filmer des vidéos YouTube. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Je vais attendre qu'ils sèchent un petit peu et quand ils seront un peu plus secs, je partirai pour faire mes tournages. Là, je regarde un peu la télé et je fais le montage du studio vlog de la semaine qui vient de passer. Bon, il est actuellement 15h et je suis revenue à la boutique. J'ai été déposer du stock à la boutique de créateurs à Villeneuve-et-Maguelone et là je me suis arrêtée. J'ai récupéré à nouveau 2-3 petits trucs pour essayer de commencer à vider un peu la boutique, mais je ne peux pas accéder l'après-midi à devant le magasin, donc je peux pas charger la voiture. Voilà, mais jeudi matin, je vais charger la voiture à fond.
En haut, j'ai une table encore de marché, j'ai des cartons, des boîtes, etc. Donc, je m'occupais de faire ça. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment juste histoire d'eux. Donc, j'ai pris une ou deux boîtes de trucs, voilà, le stock de Noël, des choses comme ça. Juste histoire de commencer légèrement. Il faut aussi que je vienne avec de quoi prendre des poubelles parce que j'ai du carton à jeter. Coucou tout le monde, il est 8h30 et je me lève à peine. Oh, c'est pas vrai du tout, je suis debout depuis. Enfin, mon réveil a sonné à 6h30 et je suis debout depuis 7h15 à peu près. Et je suis actuellement en train de faire du montage. J'aimerais bien réussir à le terminer, mais il me reste 11 minutes à monter. Je suis pas sûre d'y arriver. Je vais essayer de tout donner pour aller le plus vite possible et finir. En fait, j'aimerais bien finir ce montage. C'est le montage de la vidéo que vous avez vue sur le burn-out. J'essaye de faire le montage de cette vidéo, comme ça je peux la mettre en ligne pendant que je vais balader mon chien, enfin la faire exporter et la mettre en ligne pendant que je balade mon petit toutou. Et comme ça, je peux ben, passer à autre chose. Parce que clairement, c'est relou quand on doit repasser dessus. Et c'est des montages qui sont longs à faire et en même temps assez rapides. Donc j'aimerais bien réussir à liquider tout ça et à le finir. Il me reste, comme je vous dis, 11 minutes de vidéo à monter, donc ça devrait le faire. Hier soir, j'ai fait pas mal de batch cooking. Qu'est-ce que j'ai fait en batch cooking? Des nouilles udon, une sorte de dalle de lentilles corail, des pâtes toutes simples, des courgettes avec de l'oignon poêlé, des pommes de terre sautées à la poêle. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai préparé à manger, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis ben là, je vais finir mon petit montage. Ensuite, je vais aller balader mon chien. Thank you.
beaucoup. Bon, je suis en retard, très en retard. J'ai loupé mon réveil encore une fois. Et du coup, au lieu de me lever à 6h, je me suis levée à 7h30. Donc, rien à voir avec l'histoire. Ouais, c'est un peu la galère. Là, je me fais à manger parce que je vais être pas là pour le repas. Et je veux manger quelque chose à midi. Donc, je me fais un petit repas. Et puis ensuite, je décolle. Je vais à la boutique récupérer mon stock. Et ensuite, je pars pour Cavaillon. C'est parti! Et coucou. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais aujourd'hui c'était un peu la course. J'ai fait l'aller-retour à Cavaillon. Donc Cavaillon, c'est à 1h30 de chez moi. Là, je viens d'arriver. Il y a la voisine folle, je vous en ai pas parlé, mais je vous en avais parlé. Finalement, j'ai coupé parce que j'étais en fait en larmes pendant que je racontais ça. Mais la semaine dernière, j'ai enchaîné pas mal de galères et notamment une altercation avec une voisine. Le fils d'une voisine, une altercation bien violente, vraiment pas agréable du tout, qui a failli en venir aux mains. Le mec était extrêmement agressif avec moi, alors que j'avais rien fait. En bas, en train de traîner, je sais pas ce qu'elle fout, donc du coup, j'attends parce qu'en fait, j'ai blindé la voiture ce matin, j'avais pris mon stock, je suis passée à la boutique récupérer mon stock pour aller faire le réassort, mais en même temps, j'ai aussi mis des boîtes de trucs dont je me sers pas à la boutique et pour commencer à faire des petits allers-retours lentement mais sûrement. Et donc, ma voiture est pleine. J'aimerais bien vider ma voiture de tout ça pour pouvoir refaire un plein prochainement. Sauf que, vu qu'elle est là, j'ai envie d'éviter. Bon, je vous récupère hop, avec mes petites boîtes. Il est 13h, un truc du genre. Et là, la mission, je vais vous poser là. La mission, c'est de monter au bureau, enfin, dans la mezzanine, pour trier et un petit peu réorganiser le bureau, enfin, la mezzanine. Et commencer à projeter le déménagement.
J'étais en train de trier et j'ai réouvert une boîte avec les restes des box. Pour mon grand malheur, je n'arrive pas à les liquider. C'est toujours pas voilà, parti. Donc, j'ai trié. Il y a des papiers, etc., que j'aimais moins, qui étaient peut-être un petit peu moins bonne qualité en termes d'impression. En tout cas, les imprimés ne me plaisent pas. Donc ça, je vais le donner à la jeune fille qui est... À qui je vais donner tout le matériel de scrap, etc. J'ai récupéré ces deux petites planches de sentiments que je vais mettre dans ma boîte d'aïeul, parce que c'est pas parce que c'est moi qui les ai fabriquées que je ne peux pas m'en servir. Donc je vais tout simplement pas les utiliser. Hein. Voilà. Il y a ça que je vais mettre avec les autres stickers. Je sais pas pourquoi elle n'était pas avec. Et il y a tous ces papiers que je garde. Et je voulais vous parler de la qualité des papiers. Je suis assez choquée parce que je suis très contente. Cette collection-là, je l'avais oubliée, elle est canon. Je l'aime beaucoup. Très beau. Et la qualité, là vous pouvez le voir, la qualité de papier et d'impression est magnifique. Je suis trop contente de me souvenir de ça et de me rendre compte que j'avais vraiment trouver une qualité de papier qui me convenait vraiment beaucoup. J'en peux plus de ce bruit, ça me sort par les oreilles. Il y avait aussi des papiers comme ça. Cette collection-là aussi de packs est très chouette. Bref. J'aime beaucoup et je vais m'en servir pour la plupart pour faire des cartes. Je vais faire des fonds de cartes avec. Il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Il y a trois clients qui rentrent. C'est trois clients que je connais. Enfin, en tout cas, l'une d'entre elles, je la connais bien. Elle vient très régulièrement. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé. Et elle est assez particulière, voilà. Mais là, elle est avec des amis. Et bon, ils ont fini par acheter quelque chose, donc trop chou. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de ranger. J'empile mes boîtes plus ou moins. Et je vais pour les monter à l'étage. Ils étaient dans la boutique, hein, en train de regarder. Et là, j'ai un truc comme ça de strass qui s'explose dans l'escalier. Ce qui fait que j'étais derrière le rideau. Ils ont juste eu le bruit de toutes les petites perles qui tombent, telle une pluie par terre. On va faire un truc. Je vais vous montrer. Regardez ce qu'il y a dans ma chaussure. Est-ce que ça, c'est une vie? Non, mais. Voilà, je vais passer un petit bout d'aspi et puis ensuite je vais commencer à bosser sur une commande personnalisée d'album. Coucou, il est 7h46, il pleut des cordes, donc je recule un petit peu le moment où je vais partir. Je vais filmer une ou deux vidéos à la boutique, je pense, ce matin. Je vais mettre à l'abri, fermer un peu les rideaux et je vais filmer ça. Je vais vraiment faire mon planning comme j'avais prévu. Je vais passer en voiture pour déposer mes affaires, etc. Mais c'est vrai qu'il me faut un petit peu de temps là pour me motiver à sortir parce que clairement j'ai la flemme. Et je voulais vous parler simplement d'un petit truc parce que je viens de faire la barre d'infos de la vidéo que vous avez vue mercredi. Il y a le premier tuto qui est sorti, donc le tuto sur l'album Enchanted Forest. Juste pour information, vous avez dans la barre d'infos des liens de tout le matériel que j'utilise disponible sur Craftelier. Ces liens sont affiliés. Je fais partie du programme d'affiliation de Craftelier. C'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Instagram, bref, une plateforme public et on peut passer affilié. L'idée c'est que si vous passez par le lien qu'il y a dans la barre d'infos pour acheter le produit, enfin pour le rajouter dans votre panier et l'acheter, vous aurez
vous me permettrez de gagner 6% du montant de votre achat. C'est rien. Mais je me dis que petit à petit, l'oiseau fait son nid et que si tout le monde passe par le lien, on ne sait jamais. Donc, si jamais vous avez des choses à acheter et que vous avez envie d'acheter des choses sur Craftelier que j'ai utilisées dans l'album, n'hésitez surtout pas à passer par les liens qu'il y a dans dans la vidéo de l'album en question. Du tuto en question. De même, quand je vous ferai des hauls maintenant, etc., je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Et voilà, d'ailleurs, je vais le faire là pour les achats que je vous ai fait, puisque le studio vlog qui est sorti la semaine dernière pour vous, je crois. Si, la vidéo du vlog de la semaine dernière, il y a pas mal il y a deux hauls Craftelier, donc je vais aller vous retrouver les liens des produits et vous les mettre dans la barre d'infos, comme ça sera fait. Coucou, vous aviez un petit peu oublié que ma vie était remplie de problématiques. Eh bien, je vous le rappelle, aujourd'hui, j'arrive à la boutique et je découvre que je n'ai plus d'électricité. Donc, c'est génial, j'adore ma vie. Dimanche. Je viens de terminer mon vernissage. J'ai eu du monde toute la journée à la boutique. Ça m'a fait trop du bien et en même temps, c'était épuisant. Je suis rincée. Là, ce soir, je vais rentrer chez mon amie. Enfin, je rentre chez moi. Je récupère les chiens, mon amie, mes affaires et on part chez elle. On va se poser chez elle et on va profiter de la soirée. On va manger pizza. On va faire tout ce qu'il faut faire pour se reposer un maximum. Ça va faire trop du bien. Et demain, elle travaille, donc elle se lève assez tôt. On va aller balader les chiens ensemble et ensuite, elle part au travail. Et moi, je vais aller au Club des Simones pour donner des affaires et discuter un petit peu. Bosser probablement. Je vais peut-être aller dans un café bosser un petit peu aussi.
Merci beaucoup pour votre présence, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes encore là à l'heure actuelle, je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche si vous regardez cette vidéo en direct. Merci à vous. Prenez soin de vous, scrapez bien et on se retrouve la semaine prochaine.